Yep les citrouilles, c'est Tutur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça fait très très bizarre de reprononcer cette intro parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois bordel. Alors oui, alors en fait en ce moment je suis pas trop actif parce que je m'en donne pas forcément le temps. Déjà là bon là je suis en vacances donc là c'est les vacances d'été, c'est les vidéos. Et comment dire que ça va faire très mal. Vous me voyez comme ça. Mais dans les futures vidéos, bah, cet OC-là va disparaître. Voilà, je sais, vous étiez attaché avec lui. Mais malheureusement, cet OC-là va disparaître pour un tout autre OC. Alors, le nouvel OC, je vais vous le montrer. Vous l'avez sûrement déjà vu. Pour ceux qui sont dans mon serveur Discord, d'ailleurs. Allez me rejoindre, s'il vous plaît. Et donc... Ou alors j'ai déjà changé le logo, donc je pense que là je vais faire toute la vidéo avec cet OC là du coup. Et donc la prochaine vidéo qui est sûrement le Kesa Game. Alors le Kesa Game, je vais vous le teaser, hein, c'est sur Doki Doki Literature Club. D'ailleurs ils vont faire Doki Doki Literature Club Plus bientôt, hein. Ça, dites-moi si vous voulez que j'en parle d'ailleurs. Bah pourquoi pas, hein, après, voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous informer. Du coup du changement de personnage, ça va faire bizarre mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo information vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, hein, voilà, à vous abonner, hein, c'est très très important, ça me soutient et ça me fait plaisir et ça me motive à faire plus de contenu, etc. Et moi je vous dis, ah d'ailleurs, on s'approche tout doucement mais sûrement des 500 abonnés. Et ça, c'est un gros, très très gros cap parce que bah, c'est quand même 500 personnes qui ont cliqué sur un bouton. Surtout sur un bouton qui m'appartient, entre guillemets. Et donc, même, je vous en remercie parce que récemment, on a passé les 400 abonnés. Bref, donc moi, je vous dis hasta la vista.